Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la recette des citrons confits. Vous allez voir que c'est vraiment sans prise de tête, c'est ultra facile. Il faudra juste patienter un petit peu évidemment que ça devienne confit. Il y a 4 semaines à attendre. Mais en attendant, je vous propose la recette, vous allez voir, très simple et vous allez foncer en cuisine pour la faire. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 2 citrons bien mûrs, c'est important, donc de préférence faire cette recette au printemps, c'est l'idéal. Il faudra du sel, de l'eau tiède à température ambiante et évidemment il vous faudra un bocal pour faire mariner et confire vos citrons. C'est parti pour cette recette. Alors, vous allez voir que c'est une recette qui est vraiment très rapide à préparer, mais après par contre ça va être très long, il va falloir patienter. 4 semaines c'est très long, mais ça vaut le coup. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le citron et je vais le couper en quartier, mais pas jusqu'au bout du fruit. Il faut qu'il puisse se tenir. Alors évidemment, pour ce genre de recette, je vous conseille fortement des citrons bio parce que vous allez manger sinon des pesticides et tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Vu qu'on n'utilise que l'écorce, on ne garde pas l'intérieur. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire, je vais les écarter légèrement et je vais ajouter du sel. Hop, et je vais faire pareil sur les autres quartiers. Donc voilà, il y en a un de fait, je vais préparer le deuxième. Alors, étape 2, la mise en pot. Rien de plus simple, même pas besoin de stérilisation. Vous lavez bien à l'eau chaude et avec du liquide vaisselle évidemment avant. Vous nettoyez parfaitement votre pot et le couvercle. Et ensuite, c'est très simple, ajoutez un peu d'eau tout de suite. Et je vais passer le deuxième. Donc on appuie un petit peu, on remplit d'eau. Jusqu'en haut et c'est prêt. Gros placement produit. Je ferme et je vais laisser comme ça pendant 4 semaines. Vraiment, vous le laissez dehors, soit sur le plan de travail, soit vous le mettez dans un placard, vous le mettez pas au frais. Voilà. Et dans 4 semaines, vous pourrez les consommer. Quand vous les utilisez, il faudra bien les rincer. On n'utilise que l'écorce. On jette l'intérieur parce que c'est trop fort et que, en plus, dans les plats, bah, esthétiquement, c'est vraiment pas beau. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Une fois que vous avez ouvert votre pot, vous pouvez le garder au frais et ça se conserve vraiment très très longtemps. Voilà, donc si vous avez du mal à trouver votre citron confit, franchement faites-le. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, ça coûte vraiment rien à faire et c'est fameux dans les plats. En tout cas, voilà, en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao !